Alors salut à tous et à tout à l'heure, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau samedi détente. Alors aujourd'hui, nouveau samedi détente sur Watch Dogs, c'est le deuxième que je fais sur ce jeu. Tout simplement, bah, pourquoi? Parce que dans le premier épisode qui était également sur Watch Dogs, voilà, j'avais pas trop parlé du jeu, j'avais plus parlé d'autres choses. Donc aujourd'hui j'ai décidé de parler un petit peu du jeu, parce que c'est le jeu avec Tropico 5 auquel je joue le plus cet été. Donc je pense que voilà, j'avais envie de refaire une vidéo sur ce jeu. Alors bien sûr, on va pas encore faire un comment? Ce serait un petit peu bête, mais on va pas faire encore une planque de gang. On va faire une autre activité secondaire. Il y a pas mal d'activités secondaires dans le jeu. Les planques de gang sont mes préférées, mais il y en a bien d'autres. Je vais regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Une escorte criminelle. Oh non, un souvenir non. Je vais regarder un petit peu, c'est là-dedans, dans les contrats de fixeur. Ici c'est APA. Ça, non, j'aime. Parce qu'il y a plusieurs contrats de fixeur. Pardon. Il y a plusieurs contrats de fixeur. Transporteur. Livrer plusieurs véhicules. Non, ça non. Je vais essayer d'en trouver un que j'aime assez bien. Interception. Voilà. C'est interception. C'est. Comment? C'est une assez bonne mission, interception. Le bunker commence à faire du Hop. bruit. Quel genre de bruit? Sa mise en ligne. Il y a des gens qui l'ont remarqué. Des scripts qui disent surtout. Pas de quoi s'inquiéter, mais je vais m'assurer qu'il reste à distance. On a déjà été sondés deux ou trois fois. Sondés? Il y en a quand même un qui m'inquiète. Il s'appelle Default et il a l'air de savoir ce qu'il fait. Je vais le surveiller. Dis-moi si jamais il pose problème. Oula, dans quoi est-ce que je me suis foutu? Voilà. Si tu peux me remettre la caméra comme j'aime bien, voilà. Donc ici j'ai décidé de faire C'est un bon, j'ai laissé ta contrat mère, de fixeur, transport, enfin interception. Enfin, et ce que je dois faire, c'est intercepter une voiture et pirater ses données. En entendant, elle me fuit, elle appelle des renforts, etc. Oula. Et donc ici on va y aller en voiture, ça va me permettre, voilà, ici c'est une voiture qui est assez puissante dans le jeu. Je me demande, même si c'est pas la plus puissante, pour moi c'est, voilà, dans toutes les voitures que j'ai pu tester pour le moment, c'est vraiment ma préférée. Donc voilà, ici dans les activités secondaires, il y a énormément, ça c'est vraiment pas mal, elles sont variées. C'est ça qui est bien. Je fais plus facilement ces activités secondaires dans Watch Dogs que dans Assassin's Creed. Alors que Assassin's Creed c'est ma saga préférée. Mais franchement, Watch Dogs c'est pas du tout une déception. Enfin, je veux dire, ouais, oui. J'avoue, c'est vrai que le fait. Putain, qu'est-ce que je fous? Oh, pop, 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 pop. Tu vas conduire bien, mon beau. C'est vrai que le fait qu'il a été downgradé ou bridé, donc qui donne pas la puissance optimale, en tout cas sur PC. Ben, c'est un choix des développeurs, ils ont fait ça parce qu'ils étaient en retard dans leur planning et pour le sortir sur PC, ils auraient dû le sortir encore plus tard que sur les consoles, et je pense qu'ils ont voulu le sortir en même temps sur PC que sur les consoles. Moi, je dis c'est pas grave d'attendre. Il y a d'autres jeux vidéo. Moi, je trouve que justement, c'est pas super grave d'attendre. On peut regarder GTA, hein. La version PC a été annoncée, mais elle arrive. Je sais pas combien de temps après les versions console, mais avec ça il n'y a aucun problème parce qu'au moins la version PC sera faite pour le PC. Bon, ça, ce sont des choix marketing, etc. Parce que je pense que Watch Dogs, 5 ans de développement, ça fait énormément d'argent, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a de l'argent. Oh putain. C'est vrai qu'il y a de l'argent à rendre. Donc voilà, il y a des objectifs, etc. Mais c'est un peu dommage. Mais pour moi, le jeu est quand même assez beau. En tout cas, moi, il ne me déplaît absolument pas. Allez, toi, tu dégages. Le jeu ne me déplaît absolument, mais vraiment absolument pas. Et donc, voilà, par rapport au graphisme, hein, je parle dans un premier temps. Maintenant, ce que j'aime bien également, c'est la bande son. Le jeu a une bande son phénoménale. Franchement, la bande son est juste géniale. Elle est vraiment géniale, la bande son. Les musiques, elles sont mises au bon moment.
Voilà, c'est... Le jeu est... putainment bon. Hein. Un défaut du jeu qui est en même temps une qualité, c'est pas le niveau de recherche, c'est le niveau... niveau... Comment dire, bah, par exemple, moi je suis anarchiste pour le moment. C'est-à-dire, vous faites des... Si vous tuez quelqu'un, votre barre diminue. Si vous sauvez quelqu'un, elle augmente. Le seul problème, c'est que la conduite... C'est pas un défaut dans le jeu, parce que voilà, en plus je conduis sur clavier. Donc franchement, la conduite est assez bonne, je trouve. Mais c'est vrai qu'on peut tuer très facilement des piétons. On peut tuer très facilement des piétons. Et on peut en fait très facilement avoir des accidents en général. La preuve en est qu'ici, mais ici je conduis comme une buse d'habitude, ça va. Mais ici c'est le matin. Oui, c'est le matin, c'est un peu plus chaud. Alors, ce que je vais faire, étant donné que j'ai quand même un contrat de fixeur. D'accord, je me suis auto-tué. Donc, je veux celui, c'est interception. Donc, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est transporteur. Donc, faire attention, moi, je veux celui d'interception. Et je vais prendre la bagnole que j'aime assez bien. Parce que va falloir prendre sa bagnole. Je vais aller la chercher d'ailleurs. Il faut aller prendre sa bagnole et donc voilà. Mais vraiment, le jeu est assez bon. Maintenant, dans le scénario est génial. Les missions secondaires, n'en parlons même pas. Elles sont géniales, franchement. Elles sont diversifiées. Excusez-moi, j'ai un peu bafouillé. Elles sont diversifiées. Franchement, il n'y a rien à dire par rapport aux missions dans le jeu. Donc, voilà. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et ça, vraiment, le jeu là-dessus est vraiment très bon. Et donc voilà, ici on va faire donc, cette mission. Et voilà, enfin le jeu est assez bon, que ce soit... Bon, au niveau graphisme, c'est très con qu'il a été downgradé. Maintenant, voilà, c'est... Comme je vous l'ai dit, c'est un choix des... Des développeurs, voilà. Bon, ça, on peut pas revenir là-dessus indéfiniment. Maintenant, voilà, la bande son est juste géniale. Le scénario est super bon. Bon, je l'ai pas encore fini, mais voilà. Les missions secondaires, ça, par contre, voilà, elles sont diversifiées. Faut que je fasse gaffe. Elles sont diversifiées et tout. Et ça franchement c'est assez bon d'avoir des missions secondaires qui sont diversifiées et qui sont vachement cool. Moi par exemple, celles que je préfère, ce sont les planques de gang. Mais par exemple, il y a des missions spéciales conduites. Bah, les missions spéciales conduites dans ce style, ce que je préfère, c'est les interceptions par exemple. Voilà, chacun, on a chacun sa petite préférence. Et donc voilà, franchement, il y en a pour tous les goûts. Et ça, c'est quelque chose d'assez bon. On voit qu'ils ont travaillé. On voit qu'ils ont travaillé et que le jeu n'a pas été fait à l'arrache. On voit qu'il y a 5 ans de développement. Et puis le piratage, bah alors là... Là, il faut même plus en parler, hein, du piratage. Voilà, le piratage est une mécanique... C'est un mécanisme de gameplay qui est juste génial. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Le piratage, l'arbre de compétences pour améliorer son piratage, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique de pouvoir améliorer son piratage, que tout de suite on soit pas à fond et tout. Même chose, l'arbre de compétences pour la conduite. Voilà, ça permet d'avoir une évolution du joueur. Ce que je regrette peut-être dans certains Assassin's Creed, c'est que... On peut pas, on avait directement des armes et tout et merde, il s'enfuit. On avait directement plein de trucs, la tenue et tout. Putain. Alors, on s'est défoncé des trucs en métal, mais un petit arbre. Putain, il est où ? Hey, merde. Hey, merde.
cette voiture est géniale, mais elle glisse très très... Elle glisse, et pour freiner c'est un peu plus chaud. Désolé. Donc voilà, là j'ai encore... Voilà, je suis de plus en plus anarchiste, mais franchement... Je sais rien y faire, franchement. Si je peux l'emmerder comme ça. Oh merde, pas cette rose. Parce qu'il faudrait une genre une canalisation et tout, mais si je peux l'envoyer dans le décor. Ça va. Je pensais qu'il n'y en avait pas, mais... Ça par contre, c'était pas une bonne idée. Pas du tout même. Ça va, bon voilà les textures des rochers, et voilà c'est pas ça, c'est pas... Et voilà. Mission accomplie, donc voilà en 4 minutes. Je suis revenu dans cette zone. Donc voilà, j'avais envie de revenir dans... Voilà, sur ce point par rapport à Watch Dogs, je n'avais pas énormément parlé. Tout ça pour dire que voilà, le jeu est quand même assez bon, et donc voilà, il y a tout ce qu'il faut dans... C'est vraiment un super bon jeu sur plusieurs points de vue, et donc voilà, la bande son est assez bien, les graphismes, ils pouvaient faire mieux, mais voilà, le scénario est génial, les activités secondaires sont géniales, franchement. Le gameplay est génial, le piratage, le mécanisme de gameplay comme ça, franchement, ça m'étonne que personne n'y avait pensé. Mais voilà, ça va. Voilà. Peut-être c'est ça. C'est les missions en ligne. Le pseudo multijoueur qui se veut qu'un joueur peut venir sur ta propre map pour te pirater. Ça, c'est ultra dommage, parce que je pense que ils auraient pu faire un multijoueur à la GTA V. Bon, c'est leur premier jeu de la franchise. GTA, c'est pas du tout le premier jeu de la franchise. Voilà, on peut voir là aussi le premier jeu de la franchise. Mais maintenant, on a les capacités pour faire venir deux joueurs sur la même map alors qu'ils sont en partie solo. Je pense que alors on peut faire un bon multijoueur si on sait faire ça. Mais ça, c'est un avis purement perso. Mais voilà, c'est vrai que le multijoueur, c'est le petit point noir. C'est le petit point noir du jeu, pour moi. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le multi. On avait dit, ouais, multi et tout. On n'en avait pas montré énormément. Trop fort, j'avais jamais fait ça. Je commence à comprendre pourquoi. Ah putain. Oula, des portées disparues. Et vous voyez, une musique d'ambiance comme ça, c'est... Ça fait juste trop flipper, entre guillemets. Hein. Ça fait flipper. Et ça, c'est vachement cool, parce que ça crée une ambiance. On vient quand même découvrir un cadavre. Un truc que j'aimerais faire, que j'ai pas encore fait, et que j'ai envie de faire, ce sont... Les tripes numériques. Je sais pas lequel vous voulez, on va partir au hasard. Voilà, celui-là, jouer. C'est des tripes numériques et je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, ce sont des tripes numériques, donc c'est un peu de lead drugs. Et donc, je sais pas du tout ce que ça va donner. En fait, c'est inspiré un peu de certains jeux vidéo. Je sais parce que j'ai un ami qui avait fait une version qui était inspirée du jeu et j'ai perdu du jeu Mario et c'était vachement cool.
Non, là, là, il faut se laisser. Putain, c'est vachement cool quand même. C'est, ils se sont lâchés, je pense. Putain. Ah merde, je l'ai raté. Dans un univers qui est un peu sérieux, c'est. Non, c'est vachement cool. Bon, c'est peut-être pas le meilleur, hein, cette version-là. On va aller voir les autres. Si je réussis pas, je vous propose d'aller voir les autres. Je vous propose de tester un peu les autres. Et ça demande d'avoir un petit... Voilà, bon. Donc je propose alors que on fasse... Ah, c'est vraiment en fait un mode de jeu, c'est vachement sympa. On va essayer un autre au niveau des trips numériques. Je me demandais c'était quoi un petit peu, mais c'est vachement sympa. Après il y a ça, voilà, Cash Run, c'est à la Mario en fait. Et ça, voilà, ça je ne sais pas du tout. Je propose celui-là, il a l'air pas mal. Madness. Belle musique de Muse d'ailleurs. Mais je sais pas si ça s'écrit de la même façon. Je ne suis pas sûr. Donc là, c'est de la conduite en mode. Waouh. Je savais que t'étais un peu secoué, mon pote, mais là, il faut vraiment que tu consultes. Il faut tuer des gens, je suppose. Ouais. Pas mal, pas mal. C'est pas mal ça. On dirait qu'ils se sont lâchés et tout, mais de façon intelligente, pas n'importe comment. Là, il y a un bon groupe. Putain, c'est pas mal. Donc, quoi, toute la map est comme ça? Putain. Cool. On peut tuer des gens sans que... Là j'ai un pouvoir spirituel mais je sais pas du tout c'est quoi. Des points de compétence obtenus. D'accord. Putain, c'est pas mal. Sauf qu'il n'y a pas trop de monde par ici. Il y en a beaucoup plus sur l'autoroute. Et ces éruptions, c'est juste trop fort. C'est juste trop fort. En fait, on se croirait genre, il y a le diable qui commence à... Fait penser un peu au diable qui... J'avais juste envie de faire un petit dérapage.
franchement, c'est hyper sympa. C'est hyper sympa, ça. Voilà. C'est un mode vachement sympa que j'avais pas encore testé. Pourquoi tu te punis toi-même, Pierce ? Je t'envoie dans le décor ! Bon bah semon la police. C'est pas mal parce que ça mêle les mécanismes du jeu normal. C'est super sympa. C'est hyper sympa. C'est vraiment sympa, c'est... Non, franchement, là, je m'amuse assez bien. J'avais pas encore testé aucun trip numérique, aucun jeu qui change du jeu normal. Et donc là, voilà, là, il y a énorme... Voilà, là, il faut, je pense, jouer pendant... On peut jouer pendant 2 heures, il y a... Oula. Et on pourrait jouer pendant des heures. Il y a énormément de phases, de choses à faire, mais tout n'est pas disponible, comme les ponts, on peut pas les soulever. Voilà. Et donc on va terminer là-dessus. On attend que le temps passe. Oh, ça explose même pas. Ah, là, ça explose. Et donc voilà, ce petit... Je crois que je t'avais jamais vu aussi lent qu'aujourd'hui. Cool. Donc ça permet de... d'avoir des scores et tout, d'avoir un arbre de compétences spécial dans ce style. Si on l'adhérence, on a le temps de vous disposer entre deux frags pour réaliser un combo, arme, pouvoir. Enfin, ça a l'air sympa, vous n'avez pas besoin d'avoir pour aussi une éruption, et pour créer une explosion spirituelle. Sympa, sympa tout ça. Mais en tout cas, c'est là-dessus que nous allons nous quitter sur ce petit ben. Voilà, sur ce petit trip numérique assez sympa. Moi, je vous conseille vraiment d'acheter Watch Dogs si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve en tout cas très bientôt pour un prochain samedi détente. Allez, bye!